tout le monde, je suis Danfield et aujourd'hui on va revenir sur Nimbatus, un jeu dans lequel vous allez créer des drones pour réaliser des missions. Donc le jeu nous arrive dans un petit peu moins de 2 semaines sur Steam, donc je me suis dit qu'il était temps de revenir dessus pour voir un petit peu là où il en est. Hein. Donc pour rappel, vous créez vos drones pièce par pièce, vous devez vous assurer qu'il est équilibré, qu'il y a de l'énergie et du carburant pour tout. Vous pouvez automatiser partiellement ou totalement le drone avec des pièces de logique et des capteurs que vous allez pouvoir installer. Et depuis ma dernière vidéo, il y a eu pas mal de nouveaux ajouts comme par exemple un arbre de recherche et une façon de personnaliser l'armement que vous allez installer sur votre drone. Donc plein de nouvelles choses que l'on va découvrir ensemble. En avant ! Voici le système dans lequel je démarre, il est généré procéduralement comme tous les autres dans le jeu, donc je peux avoir des planètes, des stations spatiales, des satellites ou d'autres petites choses qui m'attendent. Le but est de passer de système en système jusqu'à arriver au bout de la galaxie pour passer à la suivante. Pour être franc, je n'ai jamais atteint le bout, plus par manque de temps que par une difficulté trop élevée, même si elle va vite grimper, hein, comme on va le voir. Mais vous êtes vraiment libre dans la construction des vaisseaux, donc vous pouvez faire des monstres incroyables, comme on va le voir. Alors, par contre, vous avez ici quelques conditions pour passer au système suivant. Donc en gros, il faut faire des missions dans les différents points d'intérêt. Donc vous avez une progression un petit peu à la FTL, mais vous allez passer un peu plus de temps dans chacun des systèmes. Donc on va aller dans Sika Evae, qui n'a qu'une mission. Ok, donc on y va. Et là, ils me disent de détruire les ruches ennemies. Regardons la description de la planète. Elle fait 566 mètres de diamètre, gravité normale, résistance de l'air haute et risque bas. Donc, soit il y a peu d'ennemis, soit ils sont pas trop bourrins. Donc, on va devoir faire un drone qui va correspondre à la mission ou alors réutiliser un drone que l'on a fait. Moi, j'ai effacé mes drones précédents pour commencer de zéro. Alors, c'est d'ici que l'on va construire notre drone. Donc, vous allez utiliser les différents éléments dans ces catégories. Il y a d'ailleurs un petit peu plus de choix qu'avant, surtout dans les portes de logique qui vont se coupler avec les capteurs pour faire des choses magiques. D'ailleurs, si jamais vous vous débrouillez bien, vous pouvez faire un drone complètement autonome, donc il va tout faire sans que vous ayez à lui donner d'ordre. Il y a même un mode où vous allez pouvoir tester votre drone autonome contre ceux des autres joueurs pour voir comment il s'en sort face à la concurrence. Donc, en gros, une arène de combat où vous lâchez le drone et il fait au mieux. Et la grosse nouveauté est vraiment le Weapon Workshop qui va rajouter un paquet de technologies que vous allez pouvoir appliquer à vos armes. Donc par exemple là, la première de débloquer va permettre d'économiser 20% d'énergie, ce qui va être très utile pour les lasers. Donc par exemple, vous voyez, hein, elle est posée là, c'est une des 3 technologies. Si jamais je veux améliorer mon laser, je peux faire qu'il creuse mieux, je peux augmenter la portée du laser, je peux faire qu'il se multiplie, qu'il rebondisse, etc. Je peux aller également, vous voyez, faire un laser court, un laser long, ce qui va changer ses stats. Vous pouvez faire un lance-roquette, un shotgun, blaster, lance-flamme, lance-grenade, etc. Donc vous pouvez vraiment personnaliser le tout. Mais on reviendra sur ça un petit peu plus tard, hein, parce qu'on a besoin pour ces améliorations de minerais que l'on va obtenir sur les planètes, et que je n'ai que du minerai jaune. Donc je pourrais par exemple acheter ça, ce qui va me faire creuser mieux, mais on reviendra un petit peu après. Hein. Alors on revient là, et là je vais commencer à faire mon vaisseau. Donc je vais vous montrer un peu les bases, puis je vais accélérer, parce que la construction de vaisseau peut prendre une dizaine de minutes si vous voulez quelque chose de correct. Donc en gros, chaque partie qui va être activable va consommer quelque chose, de l'énergie ou du carburant. Donc je peux mettre des batteries qui vont également faire office de générateur d'électricité. Plus la batterie est grosse, plus elle va recharger d'énergie, sauf si jamais vous choisissez le modèle le plus gros qui lui a une grosse capacité mais ne recharge que dalle. Même chose pour le carburant. Attention, le carburant a un impact sur la distribution du poids du vaisseau. Donc imaginons que vous mettez un de carburant là et que vous en mettez un autre là. Celui-ci va se vider en premier et une fois qu'il est vide, seulement le suivant va se vider. Donc ce qui veut dire que votre vaisseau va passer pencher d'un côté ou d'un autre. Attention, hein, très embêtant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais je vais vous montrer comment fonctionne comment ça fonctionne quand on construit. Donc vous allez connecter les pièces l'une à l'autre. Donc vous voyez, elle est connectée à là, donc je peux poser la pièce que dans le rayon là. Par contre, si je la connecte à elle, je peux aller plus loin. Vous voyez, même chose, etc. On va pas faire ça. Mais voilà, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer juste un petit peu, hop, et je vais les connecter entre elles. Parce que si je connecte trop de choses au cœur, au corps, le jeu va bugger, hein, ça me prévenir qu'il y a trop de choses qui sont connectées à la même pièce et ça va bugger. Alors, je sais pas si c'est une limite du développeur ou une limite du moteur du jeu, mais voilà, donc faut pas connecter trop de choses à un bloc. Il faut répartir les connexions pour avoir quelque chose de stable. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais finir le vaisseau rapidement. Enfin, plutôt, je vais faire un début de vaisseau et on va le tester.
J'ai fini de poser les propulseurs. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je peux aller vers le haut, je peux aller vers la gauche, la droite, pas de problème. Par contre, on peut voir, vous voyez que c'est pas complètement stable, donc je vais devoir mettre quelque chose pour pouvoir me rediriger. Par contre, le fait qu'un réservoir se vide ne pose pas de problème car ils sont haut en bas. Par contre, si jamais mon vaisseau se penche trop, là ça va commencer à poser problème. Et également, je vois qu'il est pas complètement stable à cause du fait que là, vous voyez, il n'y ait pas de bloc. Alors, on va revenir en arrière. Et maintenant, on va mettre, bah tiens, d'autres pièces. On va mettre ici des boucliers. Alors, et on va lui dire que tu vas t'activer avec la touche F. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait, que je vous ai pas montré. C'est que vous pouvez décider. Par exemple, toi, je t'ai mis que tu t'actives avec la touche D pour pouvoir aller donc indiquer que je vais vers la droite. Donc, tous les réacteurs, oups, tous les réacteurs là s'activent avec la même touche. Là, ça s'active avec la touche S, W et A. Parfait, parce que même si j'ai un clavier AZERTY, le jeu le détecte en QWERTY. Alors, parfait, donc ça c'est fait, mais on n'a pas terminé, on a besoin maintenant de mettre des défenses. Donc je vais, ou plutôt des attaques, les choses pour attaquer. Donc on va mettre, tac, on va mettre devant, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça c'est un laser, ça c'est un laser qui va brûler, qui va terraformer, et ça c'est un blaster. Ok, donc, on va mettre toi, et je vais voir si je peux faire un lance-roquette. Là ça me... Et toi on va t'activer avec le clic 0. Ok, donc le clic gauche. Donc là j'ai des défenses, parfait. Et alors oui j'ai failli oublier, j'ai besoin également de pouvoir rediriger. Donc toi tu vas pencher vers la droite. Donc on va le mettre là. On va mettre un autre ici. Comme ça ouais je vais pouvoir les pencher hein, d'un côté ou de l'autre. Et toi ça va partir vers la gauche. Donc ça va être le bouton là. Et on va mettre ici également. Parfait, donc pour le tester rapidement, voilà, parfait, comme ça on peut, vous voyez, hop, 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 et je peux attaquer avec ça, génial. Bon, maintenant c'est pas tout, ah oui, je vous ai pas montré, le bouclier, le voici, qui couvre bah, pratiquement tout, donc c'est génial. Par contre, vous pouvez voir que ça utilise, hein, ça utilise l'énergie, donc attention à ça. Alors, je vais maintenant mettre, qu'est-ce que je vais mettre, ah oui, je vais avoir besoin de choses. On va te mettre au milieu parce que c'est lui qui va charger en premier en général. On va te poser là. On va te connecter à lui. Et toi, là. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de stocker les minerais que je vais obtenir dans la planète. Ok. On va mettre donc du coup ici. On va te connecter à toi. Tac. Tu t'actives avec quoi? Avec le bouton droit. Ok. Et toi, ici. Et ici. Ça, ça va permettre de... d'absorber, de miner le minerai que l'on va trouver. Ok, donc avec tout ça, qu'est-ce qu'il me dit? Trop de choses sont attachées à une pièce en particulier. Alors oui, voilà, c'était les armes. Ok, derrière je vais mettre... Alors j'aimerais bien avoir des lance-roquettes, donc on va voir... Normalement je devrais en avoir, je vois pas pourquoi j'en ai pas. Ok. On va mettre toi. Tu as l'énergie, amélioration d'énergie, plus de force pour la roquette. Tu peux faire que je... bon, on va faire que tu creuses mieux. Ok, parfait. Et j'ai débloqué le lance-roquette que l'on va mettre derrière. Tac, parce que lui peut se rediriger, donc c'est pas grave. Et tu vas, ouais, aller avec le clic gauche, tac, tac, hop. On les connecte à différents, toujours. Parfait, et je crois que je suis bon. On va voir s'il y a besoin d'autre chose, mais je pense que c'est bon. On va juste tester rapidement. Ok. Toi, t'es bon. Donc, je tourne pas aussi vite que je souhaiterais, mais bon, c'est pas grave. On a tout ça qui fonctionne. Parfait. On va sauvegarder. On va l'appeler le Dan Drone. Ah. Voilà. Et on le lance. Et on va tester ça sur la planète. Et on va faire des modifications si jamais il ne correspond pas à nos besoins. On va aller vers le bas. Et on doit devoir éliminer des grandes hives. Ok, et là c'est... Hop, purée. Ok, déjà t'arrives. Pour le moment, pas trop besoin. Oh, ok. Pour le début, on va détruire toi. Il y en a deux côte à côte, il n'y a pas d'ennemis. Ah, purée. J'aurais dû... Plus beaucoup d'énergie. Faut que je décide des moments où j'utilise mes boucliers pour pas... Pour pas vider mes réserves. Donc si jamais une pièce est sur le point d'être détruite, elle va tourner rouge. Donc là, j'en ai détruit déjà quelques-unes. Et si je me trompe pas, par... hop,
Ah, je les ai fait dans le mauvais sens. Ok. Si je me trompe pas, du côté... Ah, ça. Ça, je sais. Ça, c'est nouveau. Vous voyez, ça crée du terrain. Du coup. Ça terraforme. Bon, l'équivalent, ça fait la même chose que les lasers. Alors, faut que je fasse gaffe et ne pas détruire le rouge. Par contre... Voilà. On va absorber. On absorbe. Ok, et là, mon vaisseau est plein. Alors, je vais juste détruire tout ce qu'il y a autour. Il y a quelque chose qui me bloque. Non, c'est bon. Ok. Et on va poser ça là-haut. Et parce que j'ai claqué quelque chose qui améliore... Là, qui améliore la distance de... Enfin, pour creuser. Mais je pensais que ça allait améliorer mes... est-ce que c'est bon ? Je pensais que ça allait améliorer mes roquettes, mais en fait, non. Donc là, c'est un peu du gâchis, vu que j'ai pas encore de laser et qu'on les achètera tout à l'heure. Hop, attention. Toi. Il y a quelque chose là qui me bloque et je sais pas c'est quoi. Alors. Ok, plus de place. Et là-bas, il y a quelque chose d'autre. On va remonter. Il me faudrait vraiment plus de puissance là. Remonter est difficile, hein. Ce qui est normal. Ah, j'ai plus de carburant en fait. Je vais devoir attendre que ça se remplisse un peu. Je vais me bloquer là. Allez, vas-y, 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 remplis, remplis, remplis. Ok, on est reparti. Oh purée, ça se vide vite. Alors le premier se vide vite, mais le deuxième non. Sûrement parce que les deux... Ah, c'est quand j'utilise... Ok, quand j'utilise juste un côté, ça se régénère aussi vite que ça consomme. Mais si j'utilise les réacteurs de deux côtés... Ça a l'air de consommer plus, je suis pas sûr. Ok, donc on va aller choper ce qui reste. Et donc il va falloir trouver un moyen d'augmenter nos réserves de carburant ou de régénération de carburant. Pour le futur. Maintenant on va là-bas. Pour le futur, je vais faire des lasers. Les lasers creusent vraiment mieux et en plus j'ai l'amélioration. L'amélioration pour les lasers. Je fais quelque chose là-bas. Ok. Voilà. Bon, il reste des petites graines, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va remonter et on va voir si je peux trouver les deux... Alors, elles peuvent être en sous-sol. Allez, courage. On va aller du côté droit. Donc vous voyez, là mes réservoirs sont vides, mais je continue à pouvoir me déplacer parce que... Ouh, là, alors là, c'est des météorites qui sont tombées. Parfois, j'ai des météorites qui me sont tombées pile sur mon gars, et là, c'était terrible. Ouh, là-bas, il y a beaucoup de... Ok, alors j'attends que ça regène. Allez, monte. Je crois que je suis coincé. Et quand ça m'est tombé dessus, ça m'avait fait mal, mais c'était impressionnant. Ouh, incroyable. Ok. Là, je crois qu'il y en a deux, donc on va les éliminer. Je sors mes boucliers. Ah purée, j'endommage le stock. Ok, on va ramasser ça. Ok, alors finalement il n'y en avait qu'une ruche. Donc la deuxième. Allez, sors de là. Il y a quelque chose qui me bloque. Ah, la voici. La voici, alors. Il les a tués avec l'expansion du machin. Ok. Maintenant on a fait un tunnel. Ils sont obligés de passer par là.
Et normalement, c'est la dernière. À savoir que parfois, il y a des choses vraiment rares au cœur de la planète. Mais... Ah bah tiens, juste en dessous. Mais là, je suis pas trop équipé pour, donc je... Ah purée, je suis... Je suis déjà plein. Oh puis regardez tout ce qu'il y a. Mais bon, on va pas le ramasser, on va rentrer et on va améliorer le vaisseau avec ce que l'on a appris. Donc je veux des lasers. Je vais faire en sorte que les lasers s'activent automatiquement dans certains cas. Donc je vais vous montrer un petit peu les capteurs. Et bah du coup on a également fini la mission. Donc on va pouvoir passer une autre planète. Alors par contre, purée, là j'ai du chemin à faire. Et le voici. Alors purée, mon vaisseau a du mal. Hein. Il a du mal. Parfait. Est-ce que je peux rentrer dedans? Je peux apparemment, ok. Ok, on retourne. Et donc là, vous voyez, j'ai obtenu une des trois conditions. Mais, bon, on va passer à une autre planète et on va aller... Ou alors là-bas, il y a quoi? Une arena. Ouh, ok. On va plutôt aller ici. Donc, en avant. Et alors, un peu... Bon, la même taille. Gravité normale, résistance normale, risque moyen. Ok, donc on va choisir notre drone. Et on va l'éditer, le modifier. Bon, alors, du coup, comment je vais m'y prendre? On a un petit peu de problème de carburant. Donc ça, c'est à améliorer. Tu vas régénérer le carburant deux fois plus vite. Donc on va mettre là. Bizarre ça. Je vais juste bouger toi. Je peux pas le... Ok. Voilà, comme ça. Un peu bizarre. Mais pourquoi pas. Du coup. On va te mettre là. Ça me paraît un petit peu loupé. Ok. Maintenant pour les lasers. Laser qui... Ok, non. On va là-dedans. Et on va faire un laser long kinétique. Voilà. Ensuite, toi, tu as quoi le choix? Plus de dégâts. Plus de portée. Mais j'ai pas le bleu. Toi, je peux te faire pour les dégâts. Ça, ça peut être pas mal. Comment ça fait là? Ah oui, il fait la recherche pour le débloquer. Et toi là. Et toi. Ça ferait... J'ai pas assez. Je sais pas ce qu'il me faut. Ok, on va devoir s'arrêter à là. Très bien. On va pouvoir mieux creuser, vous voyez, là, ça a bien amélioré. J'espère que c'est bon. Tac. Ça devrait être celui que j'ai fait, je pense. J'ai encore un petit peu de mal à saisir complètement leur système... Alors toi, on va te retirer. On a besoin d'un autre qui terraforme. On a besoin d'un kinétique. Ok, bah c'est bien celui qui est posé, mais je peux pas te doubler. Après, c'est, ils apparaissent. Vous voyez, j'ai vraiment... je suis vraiment pas content sur la façon dont ça fonctionne. On va mettre un lance-flamme. Ouais, on va le faire. Est-ce que je peux te mettre toi là? Ouais. Ok, parfait. Oui, il est bien là, ok. C'est juste que le nom a pas été mis à jour, donc ça me perturbait. Du coup, on va te mettre devant. Ok, donc ça va tirer automatiquement. Et j'aimerais maintenant mettre un capteur. De distance, ok.
dans la direction là. On va augmenter la portée. Peut-être un petit peu moins. Et tu vas être le terrain. Ok. Si c'est le terrain, tu vas sortir la clé Y. Et vous, vous allez répondre juste à Y. Ok, plutôt. Ok, on va en mettre un autre. Parfait. Ensuite, je vais en mettre un ici. Je peux pas te poser. Je peux pas te poser. On va te poser comme ça. Et toi, tu vas faire la touche U. Et toi, on va te poser là. Et tu vas faire... Ah. Tu vas faire la touche I. Parfait. Et on va mettre un laser. Et toi, tu vas t'activer avec le U. Voilà. Et toi, tu vas t'activer avec le I. Parfait. Eh ben, on va tester. Je sais pas si ça va être bon, si ça va fonctionner, si je vais me faire défoncer ou quoi. Mais ça devrait être intéressant. En avant. Ok. Alors, on va descendre. Alors, on va éviter. Oula, je me penche déjà. Ouais, j'ai pas rajouté de propulseur, mais j'ai rajouté du poids. Ouais, donc, nouveau type d'ennemi. Oh purée. Alors, on a quelque chose en dessous. Ah, là, on doit détruire les œufs de serpents. Ok. Ça, c'est quoi? Ça appelle du renfort? Oh purée! Oh purée! C'est quoi ça? Oh la vache, je sais pas quoi faire avec ça. Oh, il est en train de me... Il est en train de me détruire. Il est en train de me détruire. Non. Il peut fuir. Ok, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas trop. Alors, on va revenir en arrière. Peut-être on va attendre d'être détruit. On va voir ce qui se passe. Donc les nouveaux, ça c'est à nous, alors on va quand même retenter la mission, mais on va le faire plus loin. Et alors je vais juste essayer également mes nouveaux lasers, on va aller de l'autre côté maintenant. Je vais également tester mes lasers, alors vous avez vu que mes lasers se sont activés quand même, hein, certains des lasers. Donc là si je veux creuser, ok, par contre les lasers sont directionnels. Donc il creuse vraiment mieux, mais ok, il faut que je fasse des lasers non directionnels. Et ok, mais bon, ça fonctionne quand même. Ok, on l'élimine. Et on va partir de là. Si vous vous rappelez bien, le boss va venir. Est-ce que c'est lui qui l'a appelé? Non! On part! On part, on part, oh purée, on part, on part. J'ai pas l'impression que je peux lui faire du dégât. Donc c'est de là que vient le danger moyen. Ok, bah pendant... Oh, puis là, je suis en train... Pendant qu'il est en train de faire ce qu'il veut là-bas. On va éliminer ce qu'il y a là. Ok. Il a pas l'air de me suivre, je vois pas où il est sur le radar. Je me dirais quand même qu'il devrait me montrer où il est sur le radar, le gros gars. Ok, il est à ma droite. Il est à ma droite, j'ai vu sa queue qui a... Oh purée, là j'aime pas être ici. J'aime pas être là. Ah, remonte. J'ai du mal. J'ai plus d'énergie. Non, plus de bouclier. Allez. Ok, là j'ai fait une meilleure.
Boum! Ok, j'ai mieux tenu. Il aime vraiment pas qu'on détruise ses œufs, le gars-là. Hein. Je suis peut-être pas sur la bonne planète pour le pour mon drone. Mais maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à des drones qui ont été faits par, par d'autres joueurs. Donc là, il y a une grande liste hein, donc de vaisseaux qui ont été faits par d'autres joueurs. On va en tester quelques-uns. J'en ai déjà un ou deux dans ma liste hein, qui ont attiré le coup d'œil. Il y en a qui vont créer, vous voyez, là j'ai un vaisseau qui a des usines qui vont créer de la TNT autour de lui et qui peut-être peut la lâcher. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, on a un tank. Là, on a un laser. Ouais, on va le tester peut-être. Ok, alors en arrière. Et là, je vais choisir donc dans les téléchargés. On va commencer par toi. Go! On va voir ce que lui me propose. Boum! Ok. Ok, donc lui, vous voyez, lui a créé de la TNT qui explose. Alors, c'est un bizarre. Ok, bah lui est un peu... Oula, oula, ok, il faut qu'il fasse rien. Ok, oh purée. Il est automatisé ou quoi? Est-ce que je peux aller vers le bas? Il se passe quoi là? Ah, il y a des balances de la TNT devant. Là, il n'y a plus d'énergie pour les... Ok. Alors, par contre, j'ai pas vraiment un super contrôle sur le vaisseau. Hein. Allez, on fait tout exploser. Ah, il est pas terrible. Ok, alors c'est pas terrible. Ok, donc on quitte la planète et on va tester un autre drone. Du coup, dans les téléchargés, toi. Alors, celui-là qui est censé... creuser super bien. On va le tester. Ok. Ouh. Ok. On va aller vers le bas. Par contre, vous avez vu, consommation d'énergie. Oui. Je pense que t'aurais dû mettre plus de... t'aurais dû mettre plus de batterie plutôt que d'armure. On est parti. On creuse. Ok, il creuse pas super longtemps ton truc. Hein. Alors qu'est-ce que ça va faire si je me rapproche? Comment... Est-ce que je peux me rapprocher de lui là-bas? Et si... Est-ce que je peux lui faire du dégât? Je peux lui faire du dégât. Mais ouais, c'est... Il est pas équilibré, hein, celui-là. Ok, alors suivant. On continue. On fait des tests. Un dernier. Vous voyez, donc pour vous montrer qu'il y a vraiment des choses juste folles. Donc ça, on l'a testé. Toi. Alors lui, c'est marrant. Il fait cette petite capsule qui va exploser. Et alors celui-là, j'ai aucune idée de ce qu'il va nous faire. Est-ce que c'est plein de laser? Ok, c'est allumé automatiquement. Et les... Pourquoi il tourne tout seul? Je te dis pas de tourner, il tourne tout seul. Je sais pas quoi faire, je peux pas... Oh purée. Il se replie. Ok, alors... Je suis pas sûr que c'est vraiment ce que le gars comptait faire. Alors, comment je peux couper? J'ai pas de touche, faudrait que je regarde les touches. Mais voyez, ouais, alors là, c'est juste complètement dingue. c'est marrant. Attention si vous êtes épileptique. Parce que voilà. En tout cas, c'est un jeu qui est toujours fun, qui vous laisse une grande liberté pour la construction de vos drones, comme vous avez pu le voir. Là, je vous en ai chargé. J'ai chargé quelques exemples. Ils sont tous vraiment différents. Ils sont pas trop fonctionnels, mais voilà. Hein. Donc, le jeu arrive dans 2 semaines. Le développeur va probablement faire 1 ou 2 patchs d'ici là pour ajouter encore du contenu. Donc, si jamais il y a de grosses nouveautés, je vais revenir sur le jeu. C'est vraiment un jeu dans lequel vous pouvez passer des centaines d'heures pour peaufiner votre drone et faire quelque chose de vraiment intelligent. Surtout si vous arrivez à utiliser les portes de logique. Voilà. Donc merci à vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.